Yo les amis, c'est Chacal. Bon, on se retrouve sur Scrap Mécanique. Et puis bah dans les dernières vidéos, je vous avais parlé que j'étais sur un très gros projet. Mais bah pour vous dire, ça m'a pris pratiquement 5 semaines. J'ai terminé aujourd'hui là. Et il est 9h30 du soir, 21h30 là. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps, énormément, énormément. Et puis bah je vais vous présenter ça. Donc voilà ce qui m'a pris autant de temps. Donc voilà, ma ville Scrap Mécanique. Donc bon, on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ici nous avons le Medikit, la pharmacie. Il appelle ça Medikit, mais sa pharmacie. Donc ouais, dès qu'on rentre dans un petit truc, dans un magasin ou dans une enseigne, il y a la petite sonnette. Alors bah avec à peu près tout, hein, tout ce qu'on trouve dans une pharmacie, on va dire. Malgré que bon, on n'a pas trop le choix non plus encore sur Scrap Mécanique, mais bon, on se débrouille. Donc vous voyez, une petite pharmacie. Hop, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Hop là. Là on a le hi-fi. Donc tout ce qui est musique. Voilà. Donc j'ai fait un petit magasin de hi-fi comme ça. Voilà. Tout simple. À côté, on a les fruits et légumes. Petit magasin de fruits et légumes. Tranquille. Ah, là c'est pas la même sonnette. Hein. Vous voyez, avec tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il y a là, il y a tout, tous les fruits, tous les légumes. Petite radio. Vous voyez. C'est pas mal. Donc là, on va passer dans une petite maison. Une petite maisonnette qui est là, là. Donc on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Donc bah là, voilà. On rentre. C'est un petit duplex. J'ai fait un petit duplex, histoire de dire. Donc voilà. La petite gazinière. Le petit évier. Les rangements là-haut.
Voilà, l'étage. Je fais un petit escalier, petit étage. Hop. Une petite chambre. Avec un petit PC, du son. Voilà, la petite vue sur l'extérieur. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Hop, on monte encore un petit étage, j'ai fait une petite terrasse. Voilà, tranquillement. Pour le barbecue, voilà, on est bien. Là, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez une petite maison vite fait. On va redescendre. Là en bas, on a la salle de bain, la pièce d'eau, la salle de bain. Donc, hop là. Donc les petites toilettes, le lavabo. Et si on ferme ici, c'est obligé, faut fermer, hein. Avec les nouveaux blocs en verre là, ça claque. Il claque vraiment bien ceux-là. Et là on a la petite douche qui va bien. Vous voyez, voilà. Avec l'eau froide, l'eau chaude. Voilà, une petite douche tranquillement. Voilà. Donc allez, on va passer au suivant. Vous voyez la petite maison. Petite maison sympa. Allez, on va au suivant. On va aller en face, on va aller chez les pompiers. Ouais, j'ai fait un gros hangar parce que bah, si vous avez suivi les épisodes, j'ai le camion de pompiers, la petite camionnette, et le camion de pompiers, il est vraiment balèze, balèze. Hein. Donc, il fallait vraiment une vraie porte. Donc voilà, bon, vous l'avez reconnu, hein. Le camion de pompiers, il est ici, il est garé là. Ma petite camionnette qui est là-bas. Donc ça, ici, on est dans le garage. Ici, on rentre dans la petite pièce où là, il y a de quoi dormir avec un sacré écran. Ils ont de quoi regarder la télé, hein. Faut qu'ils se mettent bien quand même. Donc là, on a une petite pièce d'eau, des toilettes, tout ce qu'il faut avec le PQ. Ça, ils sont bien les mecs. Voilà, une petite pièce, voilà, de vie normale. Et puis là le garage. Donc hop. On ferme le garage. Vous voyez, hein, petite maison de pompier. Toute tranquille. Avec la petite porte qui est là. Voilà. Donc le hangar à pompier, le bâtiment de pompier. Hop là. Alors oui, j'ai fait des petits panneaux stop, des petits lampadaires. Des petits trucs qu'on peut faire quoi, parce que bon, on peut pas faire feu tricolore, on peut pas faire pas mal de trucs encore, ça devrait venir je pense. Donc là en face on a le petit magasin de fleurs. Pardon. Donc vous voyez un petit truc. Alors, avec toutes les différentes fleurs qu'il y a dans le jeu pour l'instant. Donc vous voyez un petit magasin. Un petit fleuriste. Ça fait toujours plaisir un petit fleuriste. Donc là bah, c'est un petit bâtiment qui est en construction. Ouais, un peu de tout là-dedans. Un petit bâtiment en construction. Attention, la zone est pas en construction. Tout est marqué, hein, pas de problème. Bon, ceux-là, bon, voilà. Fallait les faire parce que bon, ils sont nécessaires quand même des fois. Des fois. Donc bah voilà, le police FBI. Ça existe pas trop, mais bon. C'est comme ça. Donc bon, voilà, ici on a le petit hall d'entrée avec les petits bancs pour attendre, la petite citerne d'eau, ici du bureau des plaintes, voilà, tranquillement, le petit hall d'entrée. Ouais, c'est pareil, hein, j'ai fait aucune porte dans tous les magasins, dans tous les trucs, à part la petite maison. Parce que avec tout ce que j'ai fait, le jeu commence à ramer grave. Donc bon, je vous expliquerai après. On continue la petite visite. Donc là. On est dans les toilettes. Voilà. Avec une petite radio dans les toilettes, on sait jamais. Donc là, danger. Attention, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a le petit bureau
du surveillant avec les trois petites cellules. Si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui peut tout ouvrir. Ouais, vous voyez, voilà. C'est lui qui est là qui peut tout ouvrir. C'est lui qui décide si tu sors ou si tu sors pas. Donc là, ça doit être le garage. Bon, il n'y a pas de véhicule parce que je peux plus trop construire de choses sur la map. J'ai tellement construit de trucs que la map commence à vraiment ramer. Bref, je vous expliquerai ça après. Là, on va monter un étage. Là, on a le bureau du directeur. Le petit bureau du directeur avec tout ce qu'il faut. La radio, les petites vitres fumées pour pas trop qu'on le voie. Et la petite citerne d'eau, quelques bancs, son bureau. Tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais, j'ai la porte là, j'avais pas encore, il n'y avait pas les blocs en verre quand j'ai commencé à le faire, mais je pourrais très bien les mettre là maintenant, mais attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir que c'est vraiment difficile maintenant de construire parce que ça rame terriblement. Voilà, bah non, ça me fait mentir. Ça va bien. Voilà, écoutez, nickel. Hop là. Et puis là, on arrive sur le toit avec l'hélicoptère. Je vous présenterai pas, j'ai fait une petite vidéo dessus. Le petit hélico. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais bon. Après, hein, je peux pas faire grand chose non plus. Après, il me manque certains matériaux pour que je puisse faire vraiment ce que je veux, quoi. Donc, puis après, c'est pas rien, c'était mon premier hélico, j'en avais jamais fait encore. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, le petit commissariat de police, qui est là. Gentiment. On va passer à celui de l'autre côté. Donc celui d'à côté, il est un peu plus grand. Je pense que vous avez reconnu le camion de l'agence touriste et mon petit camping-car. Donc là, ici, on arrive au Cinoche, le cinéma. Alors, bon, voilà, le petit hall d'entrée. Moi, j'ai mis style, j'ai fait style que c'était quelques petites affiches de film, quoi. Voilà, donc là, l'accueil. Ici on a des petites canettes à boire, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, on rentre dans la salle cinéma. Vous voyez, j'ai fait un petit truc, j'ai essayé de représenter un écran. C'est pas trop réaliste, mais bon. Et puis là, j'ai mis deux lits. Parce que maintenant, dans les CIS, quelques cinémas, il y a des lits maintenant. Donc voilà. Donc vous avez vu ma petite salle cinéma. Pas mal. Hop là. Hop là, vous voyez. Hein. J'aime bien le bordeaux là, la couleur bordeaux, elle est vraiment pas mal. Enfin, donc on continue. Donc là on arrive à un petit pub. Un petit pub irlandais, des couleurs. Mais c'est vraiment sympa. Donc hop, on est dedans. Donc voilà. Tous les fûts de bière. Avec quelques petits gobelets sur la table, des jeux de lumière. Un petit jus de boxe. Un petit billard. J'ai fait comme j'ai pu, hein, comme d'hab. Le petit jeu de la cible, le petit jeu de fléchette. Attention, danger quand même. Là on a, bah, obligé, hein. Il faut les toilettes, hein. Dans un pub, bah, s'il n'y a pas les toilettes. Ils vont pisser partout les mecs. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc vous voyez le petit pub avec la petite série de lumière là-haut. Tout ce qui va bien. Les couleurs sont vraiment sympas. Après c'est moi, c'est mon avis à moi. Donc vous direz ça, vous me direz ça. Comment vous pensez? Donc voilà. Ici on arrive à un petit truc que j'ai fait, une petite sculpture que j'ai fait là. Je trouvais que c'était sympa à faire. Puis avec les nouveaux blocs de glace, c'est pas mal, hein, je trouve. C'est vraiment pas mal. Donc là, hop, on arrive là-haut. On arrive sur le casino. Donc là, il y a deux petites terrasses où on peut se poser tranquille, boire un petit verre.
Et puis bah là, bon là j'ai fait tourner pour voilà. Et on arrête. Voilà, ça s'arrête. Normalement, je dis bien. Voilà. Et puis bah là, voilà, j'ai fait pour pouvoir rentrer dedans. Donc voilà le casino, les amis. Donc ça, c'est mon petit casino. Donc là, le petit bar. Voilà, normal. Le petit coin. Là, c'est la roue. Avec, bah voilà, chaque bouton est représenté là-haut sur la roue. Donc, faut miser. Le croupier est là. Il appuie. La roue tourne. Il en lâche. Hop là. Faites vos jeux, les jeux sont faits. Donc là, là-bas, on a la petite roulette, la table à roulette. Pareil, hein. Croupier est là. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Allez, c'est parti. Voilà. Pareil, hein, avec les différentes couleurs représentées ici et représentées sur la roue. Voilà. Après, on a les petites machines à sous. Elles marchent toutes, hein, elles sont toutes fonctionnelles. On va essayer de se rapprocher. Voilà. Ouais. Hop là. Bon, bah, évidemment, il n'y a pas tous les trucs, mais bon. Toutes mes machines à sous fonctionnent. Elles sont toutes là, elles fonctionnent tous. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Avec de la clim, des petites caméras de surveillance. Là, j'ai fait un petit lustre. Pas trop mal, j'ai trouvé qu'il était sympa, celui-là. Vous voyez, hop. Là-bas, on a la petite salle, les toilettes et les lavabos. Voilà. Voilà. Tranquillement. Hop là. Donc, vous voyez, mon petit casino. Après, c'est pareil, hein. Je voulais faire d'autres trucs, mais après, c'est pas évident à faire. Donc, voilà, le petit casino comme ça. Pour l'instant, ce sera comme ça. Il n'est pas trop mal encore. Ça va. Ça passe. Ça passe. Donc, vous voyez ma petite ville. Je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ici, là. Hop là. Ça fait... Je vous dis, c'est du boulot. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Pas mal de temps. Entre 4 à 5 semaines, j'ai pris pour faire ça. Mes potes, ils m'ont dit, hein, t'es un cinglé. T'es cinglé à faire ça, t'es cinglé. Mais bon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et c'est pas fini, je pense. C'est pas fini. J'ai encore plein d'idées. Mais je crois que je pourrais plus construire sur cette map-là. Donc bon, on verra bien. Donc là, on va passer dans un petit coin jardin. J'ai fait un petit jardin, un petit parc, on va dire. Vraiment petit, hein. J'ai pas fait un grand truc. Bon, histoire de dire. Petit parc avec une petite fontaine, petit fauteuil. Des fleurs un peu partout. Voilà. Le petit parc tranquille, quoi. Faire attention quand même, parce que bon, il y a des cactus, donc c'est pas le petit parc tranquille non plus, quoi. Le petit banc, ouais, la petite fontaine, tout ce qui va bien. Donc à côté, vous avez vu, j'ai fait une tour de verre. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction dedans, il n'y a rien du tout. Je trouvais que ça faisait pas mal. C'est un délire, j'ai trouvé que ça faisait pas mal, du coup j'ai fait une petite tour en verre. Après, je pense que je referai un truc que en verre. Faudrait que je réfléchisse à ce que je pourrais faire comme ça. Vraiment que en verre, mais je pense que la prochaine fois, je ferai vraiment une construction que en verre. Que du verre. Oui, ça fait vraiment mortel. Et comme ça, là, l'effet d'optique est vraiment pas mal. On va pas trop le faire, sinon on va vomir partout. On n'aimerait pas arroser le clavier quand même. Oui, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment pas mal du tout. Hop là, on a un petit tour en verre. Ouais, il est vraiment haut. Hein. Vraiment, vraiment haut. Donc là, bah, on a le petit camping-car qui va bien. Toujours là, mon petit camion de l'agence touriste. Il a pas mal plu apparemment, mon petit camion. Il a pas mal plu.
Donc là, on a la station essence. J'ai fait comme j'ai pu pour faire les pompes à essence, mais bon. Voilà, la petite station avec les petites barrières qui se lèvent. Une fois qu'on a payé. Voilà. Là, c'est pareil. Ça se lève normalement. Voilà. Nickel. Donc ici, on a la petite station service. Avec de quoi boire. Hop, un peu de quoi manger, à boire. Et puis la petite caisse avec la petite radio, tout ce qui va bien. Voilà. Hop, une petite station service. Tout gentil. Et ça fait vraiment immense. C'est vraiment une grande, grande mode. Vraiment, c'est un truc de fou, pardon. Donc là, on a le garage qui est fonctionnel aussi. Le bureau du patron. Toujours là, le bureau du patron. Donc là, c'est un peu le fourre-tout, le bordel, on va dire. Là, on retrouve un peu de tout pour faire des véhicules. C'est toujours un peu le bordel dans les garages, toujours. Toujours une petite vitre pour surveiller ceux qui squattent dans les toilettes pour pas bosser. Les feignants, là. Donc voilà. Hop. Là, on a l'élévateur. Hop, qui est fonctionnel. J'ai testé en plus, mais là, j'ai plus de voiture. J'ai plus ma voiture, donc c'est je l'ai supprimé pour faire autre chose. Mais c'est fonctionnel, la voiture se lève bien, tout nickel. Hop, on redescend. Ouais, donc le petit garage. Le petit garage, tout sympathique. Après, bon, c'est clair, hein, je peux faire des trucs encore plus gros, mais je voulais faire pas mal de petits trucs. Le plus gros truc que j'ai fait, c'est le casino, le commissariat de police, les pompiers. Et le dernier, je vais vous le montrer, c'est la piscine. J'ai fait une piscine, mais pareil, la piscine, elle est vraiment énorme, énorme, énorme. Donc, je vais vous montrer ça. C'est le premier truc que j'ai commencé, c'est ça, c'est la piscine. Premier truc que j'ai fait, c'est... J'ai fait la route, j'ai fait une grande route comme ça, là, et le premier bâtiment que j'ai fait, c'est lui. C'est la piscine. Bon, bien sûr, là, j'ai fait toutes les améliorations qu'il faut pour... avec les nouveaux blocs, comme vous voyez. Donc là c'est pareil, on passe. Bien sûr, hein, si vous mettez quelqu'un dans un fauteuil, c'est lui. Non, ça c'est pour s'en aller. C'est lui qui fait passer les gens, je crois. Voilà. C'est lui qui fait passer les gens dès que vous avez payé. Voilà, donc hop, on arrive ici. Vraiment sympa les blocs en verre, vraiment. Hop, là, les petites toilettes. Avec les lavabos. Tout ce qu'il faut bien. Voilà. Petite citerne à eau pour boire un coup. On sait jamais. Donc là, on arrive à bien ranger de bestiaire. Parce que tout le monde a eu à peu près ces vestiaires-là. Bon, là, par contre, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est vraiment juste pour faire joli. Parce que sinon, vous imaginez même pas un peu les connexions qu'il me faudrait. J'essaierai de vous montrer un peu toutes les connexions que j'ai là-dessus. Donc là, on arrive au niveau des douches. Voilà. Les petites douches. Tranquille. Petit vestiaire, petite douche. Petit bac pour se rincer les pieds. Et là, voilà. Là, on arrive sur la piscine. Avec les petits plongeoirs. Hop, hop. Là, j'ai fait un petit côté plage. La machine à boisson. Le siège de l'Alerta Malibu. Hop là, petit côté plage avec les petites serviettes, les petits parasols qui vont bien. Tac tac, hop, j'ai mis du gazon ici tranquillement. Ici j'ai mis des petits transats façon lit, mais c'est des petits transats façon lit. Toujours avec des petits parasols. Le siège de David Hasselhoff. Le petit bac pour les tout petits, pour les petits loups. La petite machine à boire. Et puis voilà. Voilà ma petite piscine. Enfin ma petite piscine. Je fais un bassin olympique. Je fais un truc de fou. Cinglé. Donc voilà ma petite piscine. Donc voilà, vous avez vu, je crois qu'on a fait le tour de la ville. Je crois que ça y est, on a fait le tour. Nous avons fait le tour. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant c'est très difficile de construire. Très 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 difficile de construire parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs. Ah oui, je voulais vous montrer, c'était les connectiques.
Oui, donc il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes. Il y en a, et après c'est beaucoup de boutons. Oui, là celle-là, il n'y a pas de bout, il n'y a pas de connectique, il n'y a vraiment que des boutons. C'est tous les postes. Hein. Il y a pas mal de trucs. Par contre, quand on va là-bas, ouais, là, j'ai un petit peu de mécanisme quand même. Là, j'ai la voiture. Bon, après, les mécanismes qui sont là-bas, c'est surtout mes deux camions de pompiers, mon hélico. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, quoi. Il y en a vraiment énormément. Donc, le jeu commence à ramer vraiment beaucoup. Dès que je commence à poser des briques, ou dès que, bon, allez, je peux plus construire un véhicule, hein. Tout ce qui roule, ou qui vole, qui a un moteur, ou qui a des propulseurs, ça marche plus trop. Là, je voulais faire un petit tour en hélico, vous montrer un peu, mais non, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Donc, vous voyez un peu les connectiques. Il y a vraiment énormément de connectiques. Énormément, énormément. Donc, ouais, ça m'a pris pas mal de temps quand même à faire cette petite ville. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter d'en haut. Comme ça, vous allez la voir un peu d'en haut, un peu plus d'en haut. Donc, je vous dis, ça m'a pris vraiment du temps, mais bon, c'était vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Puis là, je suis un peu dégoûté de plus pouvoir trop, oh, mince. De pouvoir trop construire maintenant, parce que bon, la map commence à être pleine, je pense, celle-là. Donc, je referai des trucs sur Scrap Mécanique, mais je pense que je referai plus ça sur cette map-là, là. Je vais être obligé de changer de map. Je vais la garder quand même en sauvegarde. C'est pas possible. Je fais exprès. Je vais la garder en sauvegarde. Parce que bon, voilà, j'ai pas mal de trucs dessus. Mais je pense que maintenant, toutes les prochaines constructions, je les ferai sur une autre. Sur une autre map, hein, carrément. Je vais charger une autre map et toutes les autres nouvelles constructions seront dessus. C'est dommage parce que franchement, j'aime vraiment bien cette map. Bon, c'est pas grave, on va rester ici, je pense. Bon, quoi que, on va monter. Allez. Ah ouais, c'est des ascenseurs qui manquent. C'est vrai qu'un petit ascenseur dans le jeu là, ça fait plaisir. On peut encore monter. Ah oui, on peut encore monter. C'est sûr. Oh non, 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 non. Bon, c'est bien. Voilà. Donc vous voyez, hein, elle est vraiment, vraiment très très grande quand même. J'ai fait une sacrée map. Après, voilà, comme je vous dis, je voulais continuer par là-bas. Là, sur le. Là, je voulais faire un plus grand parc, vraiment un grand, 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 grand truc, qui passe sur le côté là-bas du casino. Oui, vraiment un grand, grand parc. Et à droite là-bas, derrière le pub, je voulais faire un mini-golf, style de mini-golf. Mais bon, vous voyez là, je peux vraiment plus construire grand-chose, quoi. Là, maintenant, la map commence à être saturée, quoi. Donc, bah voilà. C'est dommage, mais bon, je vous dis, on fera d'autres trucs, on fera d'autres trucs. Donc bah voilà les amis, c'était ma ville, hein. Je vous présente ma petite ville. Et puis bah voilà, hein. Tranquillement, si à l'occasion il y a quelques joueurs qui veulent essayer de me rejoindre sur la map, venir voir la map, bah, écoutez, on s'arrangera, on verra bien quoi. Bon bah voilà les amis, bah, je vais vous laisser là-dessus. C'était Chacal, et puis bon, on se retrouve sur une prochaine vidéo sur Scrap Mécanique ou autre. Allez, salut tout le monde, bye!